Salut tout le monde, on se retrouve pour ma carrière sur Virtua Tennis 2009, l'épisode 2. On va jouer à Moscou. On va faire les deux tournois en simple et en double. Donc demain, je sortirai deux nouvelles vidéos. Un nouveau jeu où je vais commencer une carrière et ça sera en même temps une découverte d'un jeu. Et bien sûr, hein, tous les dimanches, j'ai décidé que ça sera quand même, ça va rester comme ça. Tous les dimanches, il y aura Virtua Tennis 2009. Et demain, il y aura une petite musique avec un petit clip pour encourager les bleus dont je vous avais parlé. Donc là, on va jouer contre Chai Eka Pankombomba, ma machin chouette là, qui vient de Thaïlande. Et il est centième mondial, donc il est dernier. Donc ça devrait être un match plutôt facile. Mais bon, attention, hein, souvent c'est des matchs pièges. Ok, c'est moi, j'ai l'indice, ça sera facile. Voilà. Non, mais bon. Au début, c'est toujours comme ça. Donc, mais quand on arrive aux alentours des 35e, 30e place, même un peu avant, dès qu'on arrive dans les 50 premiers, ça se corse de plus en plus. Donc, je vais essayer de me dépêcher, d'y aller rapidement. Là, j'ai fait trois tournois. Et je ferai à chaque fois sur ces trois tournois le tournoi en simple et en double. Comme ça, il y aura plus de. Ça ira un peu plus vite comme ça. Voilà. Comme ça, tout le monde est d'accord et tout le monde est content. La question du jour, je vous la dirai tout à l'heure quand j'aurai mis le point parce qu'il résiste à quand même l'air de rien, le petit Thaïlandais. Voilà. Donc la question du jour, c'est Timothée aussi parce qu'il voulait me la poser, mais il a plutôt préféré d'abord poser la question sur l'équipe de France. C'est savoir qu'est-ce que. Comment il avait dit ça? Ouais, qu'est-ce que je pense de l'avion qui a disparu là entre la Malaisie et la Chine? Comme tout le monde, je trouve ça très bizarre. C'est-à-dire, il y a des boîtes noires dans les avions. C'est grâce à ça que quand un avion se crash, ça, qu'on peut les retrouver facilement et ça. Donc, à moins que l'avion s'est crashé, que les boîtes noires ont explosé, mais ça m'étonnerait parce que c'est très résistant quand même quand une boîte noire, ça faut le savoir. Parce que voilà, même quand l'avion est tombé dans l'eau, on peut retrouver les personnes, même si la boîte noire est dans l'eau. Et donc voilà, c'est très bizarre. Ils continuent les recherches, donc à un moment, soit ils le font exprès, soit ils n'ont vraiment pas trouvé. Après, j'ai entendu dire, ouais, il a passé le triangle des Bermudes et ça, c'est un phénomène de la science et ça. Et mais ils ont fumé quoi, ces mecs? Depuis quand ils ont vu, ces mecs, qu'un triangle des Bermudes, déjà le triangle des Bermudes, ça fait longtemps qu'on n'en avait plus entendu parler. Pour l'instant, on n'a pas la preuve que le triangle des Bermudes existe. Donc voilà. Et depuis quand un avion, ça disparaît comme ça? Voilà, ça. Depuis quand? Il a fumé quoi, le mec? C'est du tchou, l'avion, allez hop, ça va disparaître, allez hop là! Le mec, il s'est pris pour Joséphine, il a claqué des doigts et l'avion, il a disparu, il est fou, lui! Donc, mais bon, c'est très bizarre, en tout cas, voilà. Moi, je prends plus l'avion, c'est fini, voilà. De toute façon, j'ai jamais pris, donc voilà. Bon, on vient de gagner le quart de finale en simple. Là maintenant on va se retrouver en double avec Jack et on va jouer contre Nobuo Sasaki et le portugais João Rocha Silva. Voilà. Alors oh là, ils sont bien classés, le japonais 76e et le portugais 81e. Et Jack il vient de la Nouvelle-Zélande, voilà, avant j'avais hésité. Et il est 93e mondial. Ouais. Bon, le seul défaut aussi dans Virtua Tennis, que je disais dans mon premier épisode, c'est qu'il y a des fois des mecs, quand on les voit comme ça, on a l'impression qu'ils sont malades tellement ils sont verts, quoi. C'est abusé. Donc on m'a dit, ouais, Nico, fais plus de tournois en double et de ça, c'est bien marrant et de ça. J'en ai bien conscience qu'il y a plus de jeux, c'est plus marrant, ça joue un peu plus qu'en simple. Mais en double, comme je touche très rarement la balle, à part pour les services, et que je suis pas très fort en double, il y en aura un peu moins qu'en simple. Mais il y en aura. Voilà. Bien joué Jack! C'est ça Jack! Moi je t'appelle Jackus! Bon, on va aussi changer de coéquipier. Hein. Enfin, pas tout de suite. Dès qu'on pourra, qu'on aura un coéquipier un peu plus fort. Ouf, il a bien redéposé.
Excusez-moi, moi aussi je joue, hein. Éventuellement, moi aussi je peux jouer. Ah voilà. Au cas où je suis là, moi. Coucou. Voilà, Tchakus, c'est bien. À un moment, j'ai cru qu'il m'avait un peu zappé. OS? Ah non, O. Oh, il a remis. Ah, et. S'ils veulent gagner le match en double, faut qu'ils mettent la pression sur moi. Hein. Clairement. Sinon, ben, ils vont pas gagner quoi. Voilà, comme ça. Voilà, faut qu'ils jouent comme ça. Ouais, Jack, bien joué, Jack. Ils jouent quand même bien, ils remettent toutes les balles. On a du mal à trouver ce point là pour le deuxième set. Ah. Allez Jack, faut la mettre celle-là. Et voilà Jack, c'est très bien. Et voilà, quand on fout la pression comme ça sur le mec qui est devant, souvent ça cède. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne. Allez. Il y a un truc top secret qui est en train de se préparer avec Timothée. Je dis rien parce que sinon après, je sais, je me connais, je vais enchaîner. Et non, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est un truc top secret, ça se prépare. Voilà. Ça se fera pas dans les semaines qui viennent. Mais on en discute, parce que voilà, moi Timothée, sachez que Timothée, même s'il fait pas beaucoup de vidéos, c'est un mec, quand il fait un truc, il le fait sérieusement pour avoir déjà rappé avec lui, pour avoir sorti des projets avec lui, et pour avoir fait des trucs de fou avec lui, ou des trucs que vous n'avez même pas conscience. Donc, c'est quand quelqu'un, c'est quelqu'un qui fait des choses sérieusement, et ça sera un truc vraiment sérieux, et. Parce qu'on fait pas de la merde, nous. Voilà. Sinon, demi-finale en double. Donc, non. Non, demi-finale en simple. Donc, moi contre Mathieu. Ouais, on va l'appeler Mathieu parce que son nom de famille est compliqué à dire et j'ai pas envie de me lancer comme avant avec Martin Fourcade. Voilà. Ah, tiens, j'ai réussi, les gars. Yes! Voilà. Voilà. Sinon, il y aura bientôt la découverte d'un sport où ça sera le football américain, ou ça sera peut-être un autre, je verrai avec ça. Sachez que je pense que Timothée, je l'ai vu aujourd'hui, et je pense qu'il m'aide, enfin m'aidera, me donnera des. Comment dire comment expliquer ça? Disons que là, c'est moi qui ai ma caméra chez moi et ça, c'est moi qui fais mes propres vidéos. Mais Timothée me donnera plus des conseils et de ça, et des fois ça sera lui aussi qui trouvera la question du jour. Voilà. On se retrouvera aussi pour GTA V. Jeudi. Ça c'est jeudi. GTA V c'est jeudi. Voilà. Et on a mis le premier set. Allez. Allez, on voit la balle, Mathieu. Hop, coupé, tu l'as pas vu venir, et voilà. In your face. Oh, le bon retour là. Oh, magnifique. Bon, il y a aussi dans cette deuxième épisode, je vais essayer de mettre un S. Si ça vous intéresse. Hop. Oula, elle est partie haute là. Ah ouais. Je suis resté sur le même côté, tu l'avais pas vu venir. Bas des matchs pour aller en finale. Et voilà. En revers. T'as pas vu venir face à un coup droit, mais je l'ai pris de revers sur son pied dans lequel il avait servi. Donc voilà. Donc voilà, tout simplement. Faut pas me tester. Et allez, on se retrouve pour la finale en double. Moi et Jack contre Dinesh Kumar et Kadi Mahmoud. Mahmoud. Ou Mahmoud.
Ça va être très serré parce que Dinesh Kumar, l'Indien, est 91e. Et Khadim Mahmoud est 87e. Donc ça va être chaud, chaud, chaud. Après, je verrai si j'ai assez d'argent pour m'acheter un nouveau t-shirt et des nouveaux raquettes, nouvelles raquettes, des nouvelles chaussures. Ouais, il va pas. Ah voilà, il pouvait rien faire là. Là, il l'a mis trop sur le côté là, Dinesh. C'est dommage. Allez, on va tenter le ace. On va rester sur la ligne parce que là. Ça se met bien là, il renvoie bien les balles. Oh! Ah, c'est dommage. Ah, il a cru que j'allais lui remettre sur le côté tout de suite et en fait, bah non. Bah non, mon gars. Ouais, bravo Jack. C'est bien, continue. Allez, on reste concentré pour gagner notre deuxième tournoi en double. Ah, je l'ai pas mis assez sucré. Ah, il l'a remis. Oh, un salaud. Voilà, Dinesh il a tout compris, hein, s'il veut gagner ce match, c'est comme ça qu'il faut qu'il joue avec moi. Jack? Ouais, bravo Jack! On a mis le premier set. Bravo Jackus! Ah, il me l'a remis sur moi. Ah, la pression de ouf qu'ils sont en train de me mettre. Ah, ils ont tout bien compris. Eux. Ah. Et voilà, on se match revers, décroisé. Et bam, 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 boum, comme dirait Code Jordan 23. Et voilà, je la remets. Et là, celle-là, tu la vois pas, mon gars. Voilà. Ah, tu la renvoies. Ah non, 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 il l'a pas envoyé. Je croyais qu'il l'avait renvoyé. Et ouais. Et voilà, balle de match. Balle de match. Oh, magnifique. Ils se sont tous les deux mis sur le côté. Il y avait le court grand ouvert devant moi. Une petite balle amortie, tranquillement, posée. Voilà. On gagne le trophée. Voilà. Magnifique. Tout simplement. Oh, t'as vu Jack, on a gagné. Oh, t'as vu, c'est génial. Oh, chouette. Ah là 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 là. Allez, maintenant c'est la finale contre. Ah, j'ai cru que c'était contre Dinesh Kumar, mais non, il a perdu en demi-finale. Contre Koit Magi. Pas Magi des Simpsons, hein. Magi l'Estonien, 90e mondial. Oh, 90e mondial! Ouais. Voilà. Service et volé. On va essayer de voir ce que ça fait. Hein. Ah non, j'ai raté le ace. Était un peu trop croisé pour lui. Voilà, une balle lobée. Et voilà, on peut se matcher derrière. Et derrière, on voit ce match. On se match encore. Oh, balle lobée pour toi, spécial pour toi. Oh, il l'a remis. Et le smash en revers. Voilà.
où il va la mettre. Oh non, on défend. On a défendu Severa. Ouh. Et ouais, bah mon gars, t'es resté sur le même côté. Et donc, bim, je t'ai mis. Ah, bim, je t'ai mis la balle. Hein. Allez, on est tout proche de la finale. Ah, t'as cru que j'allais faire comme je faisais avant, hein, Armand de l'autre côté, bah non. Mais il est nul là. Il est vraiment nul sur ce deuxième set. Alors que sur le premier, il m'a mis un peu en difficulté. Hein. Et voilà. T'as dès qu'on se match, il renvoie pas les match. Donc on va se matcher tout de suite. Hein. Voilà. Allez. Oh, il l'a renvoyé. Et voilà. On a gagné notre deuxième. Notre ouais, deuxième tournoi en. Deuxième. Hein. Deux ou trois. Ouais. On a gagné notre tournoi, voilà, en simple. Donc il y aura trois tournois, là on a fait le premier à Moscou, je vous le rappelle. Voilà, on est content. On a gagné. Bravo, bravo. Bravo à moi, vive moi. Par contre, l'endurance a fortement baissé là. Et en. Oh, oh. On est passé 94e mondial. Koit Magui est descendu 93. Donc. En professionnel, c'est Tommy Haas le premier. Et le premier français, il est. C'est Jacques Moms, 17e. Tu as déverrouillé le pass de Moscou. Il est désormais disponible en magasin. Va voir. Donc on va faire le repos à la maison qui est gratuit. Non, pas la boisson, à chaque fois je me trompe. Et voilà, on est en forme. Je m'appelle Chalka Panga Panga. Ah ouais, le Thaïlandais qu'on a battu avant. Et tout le monde dit que tu as une technique d'enfer. Si tu es libre, j'aimerais bien qu'on se fasse un match d'entraînement à Moscou dans la semaine 13. Semaine 13, là il y a quoi comme tournoi? Là il y a le tournoi de Casablanca, et après ça sera Tokyo. Bah écoute, ouais, hop, on va faire un blockbuster de niveau 2. Niveau 2, donc pour ceux qui ne connaissent pas les règles, détruire les blocs en faisant des services puissants et des frappes précises. Plus les blocs sont gros et plus vous rapportez de points. Allez, c'est parti. Voilà, mon service était puissant là. Voilà. Ah, mon petit niveau, on continue à progresser en service et volé, tandis qu'on stagne un peu en fond de cours et jeu de jambes et technique. Ok. Ah,
intéressant d'augmenter en service et volée. Donc, on va voir ça. Et il n'y a toujours pas de tournant, c'est bizarre. Non, merde, on est à semaine 11, que je suis con, j'ai raté un tournoi. Eh ben écoutez, ben, blockbuster, niveau 3. Ah oui, j'avais oublié que ça fait passer une semaine. Ouais. Là, j'avais un trou. Ah, on va le rater ce niveau 3 là, je le sens. Niveau échoué, ah ouais. Et on perd de l'endurance bêtement. Aïe 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 aïe. Ça c'est moins bon ça par contre, hein. Ça c'est moins drôle. Ouais. Parce qu'il y a le tournoi de Casablanca là, en terre battue. Ça me fait un peu moins... Voilà. Repos à la maison. Bon, de toute façon, là, on a notre match d'entraînement là contre le Thaïlandais. On va le faire tout de suite. Donc, à voir. Ce que j'aime pas aussi dans ce jeu, c'est le temps de chargement est très très long. Ah, ça, par contre, temps d'aller prendre une douche là tranquille. Bon allez, toi je te mets une raclée vite fait. Et voilà, ça c'est fait. On va le couper. Et ce match. Et ouais, je sais que t'aimes pas ça. Bon, réfléchis, on s'est affronté avant en tournoi. Je t'ai fait le même coup. Et non, t'as pas voulu. Voilà. Et ben, je peux déjà te dire qu'on fera pas équipe ensemble. Hein. Je préfère rester avec Jacques. Ouais, attends, il rattrape aucune balle, quoi. C'est hallucinant. Et pourtant, c'est pas des balles compliquées que je lui envoie. Couper et après, je smash ou je smash directement. Je fais que ça. Donc, il a une chance sur deux. À moins qu'il a pas de chance. Voilà, là, j'ai smashé, voilà. Ah là 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 là. Non mais c'est pas possible, il sait pas jouer au tennis, puis il joue avec les pieds, c'est pas possible. Ouais bon ben, on fera jamais l'équipe ensemble, hein, mon gars. C'est pas que je t'aime pas, hein, mais... Mais bon voilà quoi, t'es un peu nul quoi. Ah bah là je crois que c'est le match le plus rapide qu'on a fait. Hein. Oh ça par contre c'est bien ça. Service et volé, j'ai déjà envie de technique et on a augmenté en fin de cours. Ouais. Ça c'est intéressant. Ça par contre c'est bien. On se rattrape de la petite boulette avant là, du bloc buster échoué. Fais à présent partie de ta liste de partenaires, tu peux les voir dans Home. Ouais bah on fera jamais équipe, hein, même s'il m'a bien aidé. Mais là c'est mort quoi. On va faire Pirate Wars. Allez. Bat les pirates en leur renvoyant leurs balles. Attention aux bombes. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais dû faire le jeu de course.
Ils sont où les balles? Ah oui, c'est moi qui dois leur renvoyer. Oh le salaud! Il y a un bateau qui a coulé, allez dépêche-toi, on n'a plus que 7 secondes. Et voilà, deux bateaux coulés, c'est bon, entraînement réussi, c'était chaud, mais on a réussi. Niveau terminé. Moyen, on a augmenté en fond de cours, quoi. Donc... Ouais. Ouais, on va faire des shopping dash. Ça, pour l'entraînement. Déplace-toi rapidement pour ramasser les objets en évitant les balles de tennis. Ah bon, on doit éviter des balles de tennis en jouant au tennis. C'est un bon procédé. C'est pas mal. Vous êtes fort. Allez, on est chaud, on est prêt. Go, go, go. Ils sont où les... Ah oui, oui, c'est vrai, ils vont s'en fier. Ils sont où les balles de tennis? Ok. Là, je me déplace comme un... Attends, il y en a deux maintenant de tirant de balles. Niveau terminé. J'en ai 27. Oh, ça a bien augmenté en jeu de jambes et technique. Ouais, 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 ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est bon. Donc on va faire le tournoi et après on va faire du repos jusqu'au prochain tournoi parce que là on s'est beaucoup entraîné. Salut, je suis Yann Scobo, maman cher chouette. Je t'ai vu jouer dans le tour. Ça te dirait de jouer avec moi dans un match d'entraînement à Milan dans la semaine 20? Ouais, ben c'est ça, on se rappelle hein. Allez, tous, c'est parti. Jackus et pas Chai là, le Thaïlandais. Allez, contre Brian Holland en simple. 91e mondial. Sa spécialité c'est qu'il est stratège. Donc ça va être sa première beau match parce que moi aussi je suis stratège. Même si pour l'instant il marque que je suis débutant, c'est parce que j'ai pas encore débloqué. C'est pas ça le problème, ça sera vite réglé. Merde, j'ai raté le ace. C'est vrai, j'avais dit que je pouvais faire un ace. Oh ben Brian Holland aussi on va vite le torche. Je sais qu'il est stratège et qu'il joue comme un pied, ça sert à rien. Ouais, il renvoie quand même les balles. Il est pas mauvais. Ouais, mais là, cours, garçon. Si tu veux frapper la balle, à un moment donné, il faut que tu cours. Hein. C'est comme au foot, hein. Ne pense pas que tu vas jouer si tu fais que marcher. Hein. Hop. Tu l'as pas vu venir celle-là, hein, mon coco. Hein. Mon petit Brian Holland. Allez, ce match. Retour de service. Retour. Retour. Et voilà. Ah, il faut que... On envoie en l'air et on va se matcher derrière. Oh le petit salaud. Pas, il a failli me la mettre. Oh. Et voilà. Il a voulu faire stratège avec moi, mais ça n'a pas marché. Mais tu t'es bien défendu. Je pense que je t'ai eu sur... par surprise avant l'heure des deux premiers points. Et maintenant t'es chaud et tu viens me battre, mais t'arriveras pas mon pote. Allez, on voit ta baba lounette. Et ça rentre pas. Allez, allez là. Allez, ce match dans ta face. Petit amorti, voilà, tu n'as pas vu celle-là. Hein?
On est monté au filet, on a attaqué et voilà. On a fait une petite attaque à la Federer. Et ce match, tout de suite, bim, badaboum. Je t'envoie premier. Balle de match. Oh, arrêtez de dire ça, la récupérer. Attaque au filet. Salopard, mais il m'a pas eu. De but en blanc. De but en blanc. Un smash dans sa face. Voilà. Maintenant en double. Allez, allez, allez. Ouais, Jack contre. Ah bah, on va rejouer contre Brian. On va jouer contre Brian Holland. Et Machu, celui-là, j'ai dit qu'on prenait pas son nom de famille parce que c'était compliqué. Et Tchai fait équipe avec Jarrod Casson. Mais non, Jarrod. Autant faire équipe avec moi. Bah, c'est sûr, on va de nouveau affronter Mark Wade. Hein, parce que voilà, si Tchai il joue comme une Tchai. Ouais, je sais, c'était facile. Cours varié et stratège. Ouais, bah, je sais qu'il est stratège, Brian Holland. Il m'a pas battu! Et bon, bah, on est parti. Hein, genre, de toute façon, on n'a pas le choix maintenant. On va peut-être faire que OS. Ouais, on fera que deux tournois et le match d'entraînement. Parce que j'ai pas trop de temps là de faire des vidéos. Enfin, je dis ça, bon, on va dépasser les 35 minutes. Voilà. Bon bah écoute Brian, hein, tu vas connaître ta deuxième défaite sur moi. À cause de moi. Putain, j'essaye de leur mettre un. Hey. Voilà. Attends, ils ont même pas bougé là, ils ont rien fait, niet. Allez. Et voilà. Sur Brian. Ça passe tranquille. Et voilà. Machu, des fois, il est pas très bon réceptionnaire hein, en fond de cours. Il est bon serveur, mais pour réceptionner, c'est la cata. Hein. La preuve. Je m'amuse un peu avec lui là. Je lui ai mis une balle coupée alors que je pouvais mettre un smash et marquer le point. Mais j'ai voulu le faire courir. Je suis un connard. Et voilà. Ah, il est resté sur le côté de Jackus. Mais il fallait rester sur le mien. C'est moi qui l'a remis la balle. Ils se sont mal compris là entre les deux là. Et voilà. C'est moi qui mets la balle de match. Voilà. Ouais. On se restera peut-être après le deuxième tour, on fera peut-être pas le match d'entraînement. Parce que voilà, il faut bien que je fasse des épisodes. Il faut bien que dans ces épisodes, il y a quelque chose aussi. Je vais pas faire que d'un coup. Ah bah tiens, on joue contre Machu. Eh bah décidément, Brian Holland, Machu. Donc là, on a joué contre Brian Holland. Ensuite, on a joué contre Brian Holland et Machu. Et là, on rejoue contre Machu ensemble. Et eh ben on peut ouvrir. Ace! Oui, voilà, j'ai réussi à faire un ace. Voilà, et sur Machu en plus. Ah oui, c'est vrai. Je m'applaudis moi-même. J'ai failli oublier. Donc. Ça passe. Ouais, chaud, 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 chaud. Je dois remettre. Ah, il va se venger là. C'est un salopard! Il m'a envoyé sur les côtés à fond là. Mais moi je te mets un coupé dans ta passe et va chercher la banane. Ah, elle m'a bien fait promener de droite à gauche là. C'est quoi? Ah merde, j'ai raté le S. Et ça, oh non, c'est pas possible. Oh
On va faire une attaque au filet. Ah, il va la mettre, il va mettre le corner. Ah non, et c'est moi. Voilà, attaque au filet à la Federer. Ça, c'est imparable. Hein. Et ouais, deux matchs en coup de bras, il a du mal à réceptionner. Dès qu'on lui envoie un gros match, il a du mal à réceptionner le deuxième tout de suite après. Donc voilà. Allez, ça, c'est fait. Voilà. Maintenant, on va accélérer un peu le jeu. Depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train de me dire, les ramasseurs de balles, ils se penchent et après, à chaque fois, ils se prennent des balles dans la gueule. Petit amorti. Petit match. Et j'étais contre. Voilà, je t'ai pris à contre-pied. Et ouais. Allez, balle de match. Comme ça, on n'en parle plus. Et ouais. Ça passe. Je pensais pas qu'il allait la rater, mais il est parti un poil trop tôt dans sa course pour récupérer la balle. Pardon, pardon. Je me. On est en finale. Oh, contre Chai et les Jarod Casson. Et ben, on va lui prouver ben, que je suis plus fort que lui. Et que là, ouais. Et que c'est mon choix de ne pas faire équipe avec. Allez. Ouais. Allez, tout de suite 15-0. Voilà, mais cette finale, c'est. Je suis déçu, je voulais affronter Marquardt là. Parce que Marquardt c'est un très bon joueur, je voulais l'affronter et il a perdu contre eux quoi. Voilà, voilà, Jacques Meilleur, un smash dans la tête. Voilà. Allez. Les gars, je joue aussi, hein, n'oubliez pas. Allez, Jacques qui se match. Jacques le finisseur. Ah. Ah non, merde, moi je suis en bleu, je me suis pris pour Jacques à un moment donné. Ah merde, je suis parti à droite. Mais moi, limite, je pourrais me poser sur la chaise. Allez-y, joue. Ah non, mais c'est moi qui réceptionne. Voilà. Ah non, c'est toujours moi. Ah bah, c'est moi qui marque pour l'instant le vouloir. Allez, pas de match. Allez. Et but. Et but. Et non. Et on gagne le tournoi. Oh bah, ça fallait s'y attendre. On les a torchés. Et t'as vu, Jacques, on a gagné encore un tournoi. T'as vu, c'est chouette. Ouais, Jacques, on est les meilleurs. Ouais, tape moi dans la main. Tape me five. Give me five. Ouais, check. T'as vu, et trop your. Allez. Allez, en finale contre Yann Fournier. Très bon joueur aussi. Là, c'est un peu plus intéressant. Franchement, ouais, ouais. Il y a un Fournier qui est monégasque. Et après ce match-là, on se quittera. Il y aura, dans l'épisode 3, bah, il y aura un autre tournoi. Et le match d'entraînement contre, je ne sais même plus comment il s'appelle. Donc, je vous laisserai juste voir combien de chemin je suis avant. Combien de chemin je suis au Mondial. Et ce match.
30-0. Vivement qu'on monte un peu dans le classement. Allez, ce match. Et ça passe. Premier set demi. Allez. Et voilà. Yann Fournier, bah, qui rate, qui a du mal dans cette finale. D'habitude, il joue pas comme ça. C'est assez bizarre. Donc, je sais pas si ça, si c'est à cause de moi. Faudra voir combien de team on progresse au classement. Et combien de team il est l'autre là qui veut faire un match amical avec moi. Tout à l'heure. Ah. En Thaïlande. C'était pas toi. Si, ah, si, si, c'était Tokyo. Voilà, on a gagné le tournoi. Classement mondial, on est 91e. Donc voilà. Voilà. 91e. Ça, je suis Mark Wilde. Mark Wilde, j'ai vu tes visuels. Bah, on va faire un match amical avec Mark Wilde et on changera avec Mark Wilde. Donc, veux-tu quitter le mondial? Oui. Et moi, je vous dis à dimanche pour l'épisode 3. Bye bye, bisous bisous.